Une caisse modélable à souhait et des fonctions insoupçonnées. C'est la trouvaille de Zacco Franck, un ouvrage présenté au public comme bien d'autres lors de la 13e journée mondiale de la propriété intellectuelle. Jean-Paul Pinard est magnétologue. Il s'intéresse à l'élimination des génomes favorisant la trépanocytose. En 15 minutes ou 20 minutes de traitement, la douleur a diminué de 20%. Alors ça, c'est dû à l'accélération de la transformation du calcium en monoxyde d'azote qui va permettre donc de dilater les vaisseaux. C'est très simple. Hein. Cet autre inventeur dit traiter la sinusite autrement. Tous les documents de médecine disent que pour traiter efficacement la sinusite, il faut faire ce qu'on appelle le drainage. Si on arrive à évacuer toute la glaire infectée, surtout dans les sinus, on est guéri. Et c'est ce que le GPV fait après application nasale du produit. Une dizaine d'inventeurs en adéquation avec le thème choisi pour cette journée, créativité, la prochaine génération. Le brevet qu'on développe aujourd'hui, c'est le produit qu'on aura demain sur le marché. Et donc, en regardant les demandes de brevets aujourd'hui, on sait ce que dans 5 ans, 10 ans sera la technologie. Et donc, c'est une question, c'est l'occasion également de réfléchir comment orienter la recherche. Les réflexions sont donc engagées pour une activité inventive plus dynamique et variée et qui couvre divers domaines, entre autres la mécanique, la médecine, la musique et la littérature.